toujours important d'en parler de questions très douteuses, voire frauduleuses dans l'UNA pour nous rappeler que ce n'est pas que vous ne pas faire prêt et pas que vous ne faites pas qui fait prêt qui a un problème et en dans l'UNA. Ceci est très important. Alors, bagarre encore, et nous devons rappeler, c'est que même le ou bien garantie, même le pays prêt normalement, même le fin payer, si vous êtes déterminé que vous avez commis une infraction, vous avez payé pour le vin, vous avez fait escroquerie, et même genre un programme, on a mort, on a pharma, eh bien la justice est capable de poursuivre. Ce n'est pas prêt en soi, ce n'est pas garanti en soi. C'est qui gens ont gagné accès après ça. Ce n'est pas placement en soi. Par exemple, on a gagné l'argent de presque toute banque dans le pays, à environ 130 millions de dollars américains. On a gagné dans la banque privée. Placement, replacement fait sur 10 ans. Un bagage comme un gros placement fait sur 10 ans, gagner des banques qui pour que jamais payer en goutte et qui ont plusieurs années pas jamais bailler l'on a en goutte et dans l'agence. Et puis il y a freiné monde dans la rue avec même cobio parce que l'argent l'on a, c'est l'argent, nous connaissons les monde qui est dans la factory et professeur, tout le monde qui est dans le système. Maintenant, qu'on y a là, à la suite de requêtes que nous avons fait à parquet, on a fait, on a regardé ensemble de dossier de prêt qui apparaît dans nos documents. C'est même genre tout avec ça qui a poussé nous à un programme. Et ça, vous voulez que nous prenions ça nous pour nous comprendre. On a parlé de Ona Pharma, Ona Mart. C'est un programme qui a trois personnes là-dedans. Il y a des gens qui pensent que c'est un bagage qui concernait le sénateur Yuri, moi qui prend devant le capuchon de papier, il peut chercher papier parce qu'il y a un papier pour chercher. Parce qu'il faut aller expliquer est-ce que l'opération escroquerie ça, que nous voyons Jean-Noël là, et est-ce que l'été la donne, est-ce que maman était la donne, qui va lui déjouer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça mène nous à programme Zalem c'est. Il y a un nom qui est répété en pile dans l'ensemble de préfets dans l'ONU. Par exemple, là, nous avons regardé Delimat dans le programme. Nous avons extrêmement bien regardé Delimat. Or, il y a trois autres prêts encore. Nous avons Autoplaza, nous avons des bagages qui menaient vers Dr. Reginald Boulos. Ça attire l'attention, nous, comme les gens qui comprennent les crimes financiers. Par exemple, nous avons environ 4 prêts qui gagnent El Rancho, qui gagnent Autoplaza, Jean Abdillah, qui gagnent Delimat. C'est plus que 2, c'est environ 2 milliards 500 millions de gourdes. Dans cette période 2017-2018, pour qui ça? Il y a cette préférence. C'est la question que nous nous sommes posée, qui fait nous tomber dans Madame Immacula et Carmen Cantat. Par exemple, l'on prend l'agence à 2,5 milliards de gouttes là. On dit que tu es varié entre 65 à 95 gouttes. C'est entre 29 millions à 34 millions de dollars américains. Ça dépend de qui période on prend. Je dis à 29 à 30 millions. Mais là où tu prends là, là nous prenons en 2017, c'est environ 34 millions de dollars américains pour un grand bénéfice. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que. En matière de crimes financiers, très souvent, Mounoué, ce n'est pas lui-même qui bénéficiait de transactions, qui bénéficiait de cobre. Il n'a pas fini sous même ça avec le dossier Oasis là. Donc, c'est ça qui fait nous aller, nous tomber dans presse à pour nous-mêmes, il semblait avec une opération d'escroquerie. Pour qui ça? Programme ça, que les, son double programme, on a Marc, on a Pharma. Ligué comme objectif pour améliorer les conditions de la vie monde qui est en Alona. On parle de 406 000 personnes. Mais on dirait que c'est les gens seulement qui sont dans le programme. Ça, toi, on dit au courant. On va faire un programme pour les gens dans Alona, pour assurer, pour les sociaux, pour pensionner, pour employer Alona. Et puis, ils n'ont pas au courant. Par une campagne qui était faite avant. Et puis,
pour qui ça c'est trois mondes ça yo qui gagne accès à programme. Donc pour ça qui attire attention nous c'était objet programme ça qui pour nous mêmes son bagage met devant pour bon cop c'est ce qu'on crée. Deuxièmement là nous ouais non monsieur Boulos qui n'a plusieurs autres opérations de près ou de loin. Et troisièmement, l'âge, madame Immaculée Carmen Cantave, qui a 83 ans, par un certificat médical, même si je connais qui a fait au courant de programme, ça qui a vu dans le programme. Je connais, si c'est son rêve qui fait. Si c'est le rêve sénateur qui fait, qui vient faire que, ils ont entré dans le programme, ça, pour qui ça l'autre monde qui est market, pour qui ça l'autre monde qui est pharmacie, pas entré dans le programme. Déjà, pour nous même au niveau pénal, l'infraction, ça n'est pas escroquerie à le consommer. Et nous pensons avec absence de transparence qui crée des présomptions de corruption. Nous pensons avec trafic d'influence qui est capable de gagner. Maintenant, trafic d'influence, là, par de monde qui est replacé dans le César, sénateur Yuri lui-même, qui j'ai la présenté tête liée, malheureusement. Maintenant, dans le cas, madame Cantave, il y a deux situations qui sont présentées. Ou bien ils sont victimes. Comment? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas même au courant même. D'ailleurs, ils n'ont pas jamais été venus à l'ONA et puis nous avons un programme. Ils ont décaissé 770 millions de gouttes parmi 70 millions de gouttes pour lui. Donc déjà. Ou bien ils ont été utilisés dans le bureau pour commettre une infraction. Maintenant, là, ça, ils sont victimes. Si ils étaient au courant, ils sont auteurs. Courent tout le monde qui est en dedans. C'est là les bails. Maintenant, question, mon a payé prêt, mon prêt prêt, mon prêt s'est fait payer. Nous pourquoi on a débat ça? Nous non, une opération d'escroquerie au détriment de moun qui a assuré, qui pensionnait l'ONA et moun ça qui en dans opération a constitué au regard du droit pénal, de la loi pénale, il a constitué une association de malfaiteurs. Et maintenant, qui s'est passé réellement? Je me permets que nous saisissons bien. Lorsque toute transaction finie, toute cop fin aller qu'à un notaire Jean-Henri Seyant, 770 millions de gouttes, 480 millions de gouttes pour Delimart, 220 millions de gouttes pour Extra Market, et puis 70 millions de gouttes pour Madame Immaculée Carmen Cantave. Maintenant, question pour nous poser, nous. Oui, sénateur, il dit qu'il a désisté après, mais l'argent est canoté là. Nous pas, pour qui ça? Question pour nous poser, nous, pour qui ça, nous n'avons pas jamais vos correspondance et te répondre, pour qui ça? Et dans quelle période l'aide s'est entrée dans le dossier? Dans quelle période? Dans quelle période, effectivement, l'aide s'est entrée dans le dossier? Et pour qui ça, comme ça, a arrêté pendant plusieurs mois dans l'étude notaire là? Jusqu'à ce que le sénateur a lui-même, la remplie formalité, le passe et prend. Comme ça, donc, on passe, on fait quitter comme la canotée, le sénateur a lui-même, le arrangé, le passe et prend. Donc, objet, programme, finalité comme ça, c'était pour programme, on a marque, on a pharma. Si on n'a pas jamais retourné comme ça dans l'ONA, ça veut dire que les sénateurs ont passé le problème, quel que soit le monde qui a l'autorisation, son monde qui fait en complicité avec nous, un cas de détournement de fonds purement et simplement.